efficace. Dis avec moi, Seigneur, apprends-moi à mieux prier. Apprends-moi à voir l'efficacité de la prière. Amen. Alors, chers amis, depuis le début de cette série d'enseignements, nous travaillons différents aspects dans nos vies de prière qui vont permettre des exaucements plus rapides, des meilleurs exaucements qui vont rendre plus efficace, comme je l'ai dit tantôt, la prière. Amen. La prière est rendue efficace à différents niveaux. Alléluia. Un peu comme si vous devez recevoir de l'électricité, de l'énergie de votre distributeur, ici en Côte d'Ivoire, on m'a dit la CIE. Vous devez recevoir de l'électricité. Donc, la capacité ou bien l'efficacité de l'électricité dépend de plusieurs paramètres. Premièrement, ça dépend d'abord du fournisseur. C'est lui qui va vous envoyer une certaine quantité d'électricité, une certaine qualité d'électricité. Deuxièmement, si le transit, l'élément de transit, si les câbles qui transitent, qui font transiter l'électricité sont défaillants, malgré que le fournisseur envoie l'énergie, est sur le parcours, il peut avoir certains problèmes et celui qui attend l'électricité chez lui à la maison peut ne pas recevoir efficacement l'électricité. Le problème aussi peut se produire à l'arrivée même. Si les matériaux, vos ampoules par exemple, sont grillées, c'est évident que la lumière ne s'allumera pas. Le problème, ce n'est pas le fournisseur, le problème, ce n'est pas le câble, le problème, c'est votre ampoule ou votre douille ou votre système électrique qui ne fonctionne pas correctement. Il en est de même aussi pour l'arrivée de l'eau dans votre maison. La prière respecte à peu près ce même principe. Nous avons Dieu qui est le fournisseur de toute grâce, de toute bénédiction, amen, qui a la source de toute chose. Tout est fait chez lui. Alléluia. Et nous sommes les personnes réceptrices sur la terre. Quelqu'un est-il avec moi? Et la prière, c'est donc tout simplement le canal qui est établi entre le ciel de Dieu et nous sur la terre. Amen. Dieu envoie au travers de ce canal les choses que nous avons demandées. Durant la croisade de Zouaounien, Dieu m'a donné d'expérimenter, de comprendre encore une autre chose, une autre dimension dans l'efficacité de la prière. Amen. Pendant que je suis en train de prier pour demander sa grâce et sa faveur pour la guérison des malades, il m'a dit ceci pour améliorer les prières. Amen. Déjà, on avait déjà vu des miracles, on a vu beaucoup de miracles dans les autres campagnes. Mais moi-même, je prie pour que la prière pour les malades soit de plus en plus efficace. Parce que lorsque je lis ma Bible, je lis très souvent que Jésus, quand il arrivait dans un endroit, tous les malades étaient guéris. Amen. Moi-même, je constate que malgré le nombre de miracles que nous faisons, il y a un certain nombre de malades qui repartent avec leurs maux. Donc, je ne vais pas être là à me dire, non, ce n'a pas été le plan de Dieu, Dieu n'a pas voulu le guérir. Pour moi, ça, ce sont les gens qui parlent comme ça, c'est un manque de foi. Voilà. Ou c'est parce qu'eux-mêmes, ils se croient peut-être trop bien qu'ils estiment qu'ils ne peuvent pas échouer. Non, moi j'estime que si j'ai un aveugle qui n'a pas été guéri, j'aurais peut-être pu trouver auprès du Seigneur quelque chose pour qu'il soit guéri. Amen. Donc, en termes d'efficacité de miracle, je travaille constamment à améliorer cela. Alléluia. Alléluia. Parce que je sais que, selon ce que Jésus-Christ a dit, les malades ont été guéris. Par ces meurtrissures, ils ont été guéris. Je sais que ce sont des choses qui ont été acquises à la croix. Ce n'est pas moi qui guéris les malades. Amen. Je ne suis pas le fournisseur de la guérison. Je ne suis, ou bien les hommes ne sont, nous ne sommes que des canaux. La raison pour laquelle il faut toujours avoir les regards sur le Christ et non pas sur le canal dont il se sert. Parce que Mohamed ne peut rien faire. Amen. Je peux dire quelque chose, ça ne fera rien du tout. Amen. Il y a de l'énergie qui quitte le ciel. Qui quitte le ciel et qui transite, et moi je ne suis qu'un récepteur qui va permettre à cette énergie-là d'aller et de redonner la vie aux personnes. Donc, améliorer l'efficacité de mes prières, c'est constamment travailler à ce canal. Et une des choses que Dieu m'a montré dans la vie des Zouaouiens, et chaque fois il me donne des leçons, amen, c'est de me donner d'appliquer ce message que nous sommes en train de parler, dont nous sommes en train de parler. Pendant que je priais, il m'a fait comprendre, il dit, tu demandes ma compassion pour que les malades soient guéris. Il dit, Seigneur, fais grâce. Vraiment, la dernière fois, j'ai vu une maman, elle est repartie avec son fauteuil, ça m'a fait mal. Donc, quand tu me demandes, aie compassion, c'est comme si cette maman qui est repartie, je n'ai pas voulu la guérir. Et que ceux qui ont été guéris, c'est ceux que j'ai voulu guérir. La maman que tu as vu repartir, là, je voulais la guérir. Je dis, mais Jésus, mais pour
croire. Alors il va ouvrir mes yeux sur une autre dimension. Amen. Amen. Il va dire, crois en la parole. La Bible dit, par les meurtrissures de Christ, vous avez été guéris. Ça veut dire quoi? Que toute guérison est déjà acquise dans le ciel. Toute guérison est acquise. Amen. Mais elles sont acquises où? Dans le ciel. C'est-à-dire, dans le ciel, Jésus a déjà fait marcher le paralytique. Il a déjà ouvert les yeux. Amen. La prière doit me permettre d'aller prendre le pied qui lui a été acquis par la croix, qui est au ciel. La dame qui ne marche pas, sa nouvelle jambe est quelque part au ciel. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, je ne fais rien sans avoir vu mon Père le faire. Pourquoi Jésus passait beaucoup de temps en prière avant de sortir prier pour les malades? Parce qu'en fait, pendant les heures de prière, il allait chercher dans le ciel où était placé, ou bien comment il allait déstocker les choses qui avaient déjà été acquises. Quelqu'un est-il avec moi? Amen. Alléluia. Et une fois qu'il a recensé les choses, parce qu'il dit, tout ce que je fais, c'est parce que j'ai vu mon Père le faire. Autrement dit, cela a été fait dans le ciel. C'est parce que j'ai vu l'infime là marcher au ciel que cela a pu être reproduit sur la terre. Sur la terre, tu ne peux rien faire par toi-même. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alors là, je suis resté beaucoup de temps dans l'adoration, le temps d'aller voir. Mais quand tu vois, ce n'est pas, écoutez, ce n'est pas quelque chose de conscient. Ta conscience ne sait pas ce que tu fais. Ce n'est pas que je tombe en extase ou je me promène dans le ciel. Non, Jésus a dit une chose aux disciples. Écoutez, je suis très profond dans ce dont je vous parle. Jésus a dit aux disciples, vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Les disciples lui ont dit, on ne sait pas où tu vas. Comment connaîtrons-nous le chemin? Mais la phrase de Jésus était précise, il dit, vous connaissez le chemin. Ça veut dire quoi? Que quelquefois, il y a beaucoup de choses qu'on sait, mais consciemment, on ignore qu'on le sait. Je sais pas. La conscience est très faible. Il y a beaucoup de choses que tu sais, mais toi-même, tu ne sais pas que tu sais. Amen. Tu sais des choses que tu ne sais pas, que tu sais. Amen. C'est la raison pour laquelle souvent, lorsque des gens disent, on te donne un message que tu as déjà entendu dans toute l'éternité. Quand la personne est en train de prêcher, il y a une résonance dans ton cœur qui dit, je savais que c'était vrai. Mais tu ne savais pas que tu savais. Dieu, voyez, si tu ne comprends pas, ce n'est pas grave. Amen. Amen. Ce qui nous fatigue souvent dans le miracle, c'est qu'on a vu que notre conscience saisisse tout. Ça veut dire, je sais ce qui va se passer. Je comprends le système. Tu n'as pas besoin de comprendre. Le fait de comprendre est déjà une restriction du canal d'écoulement de la grâce. Parce que ta compréhension, ce que tu comprends, est basé sur tes expériences. Je comprends une chose, mais ce que tu comprends, c'est basé sur les choses que tu as vues, sur les choses que tu as connues, sur les choses que tu as acquises dans le monde matériel. Une chose que tu n'as jamais vue, physiquement, n'a pas de nom. Donc ton esprit peut voir des choses que le vocabulaire humain n'a pas de mots pour décrire ce que l'esprit a perçu. Donc, tu ne vas pas savoir que tu sais, mais tu sais. Je veux dire, l'esprit n'est pas limité à ton vocabulaire ou à tes expériences. Il sait des choses que ta conscience et tes expériences ignorent. Amen. Quelqu'un est-il avec moi? Alors, j'ai fini de voir sans savoir que j'ai vu. Mais j'ai vu. Amen. Et quand je suis arrivé, il m'a dit, maintenant, tout est une affaire d'écoulement divin. Tout est une affaire d'écoulement. Amen. Quand tu arrives sur le programme, fais ce que l'esprit te donne de faire. Alors, les choses qui arrivent, ce sont comme des idées. Tu entends un nom comme ça. Tu ne sais pas si tu as une imagination ou si c'est vrai, mais tu entends le nom. Tu dis quand même. Et puis, c'est vrai. Amen. Parce que quand le Saint-Esprit prend le contrôle, il amène à faire en sorte que les idées que tu reçois deviennent supérieures en termes de son intérieur aux idées qui émanent de ton âme ou qui émanent de ta chair. Parce qu'en vous, il y a beaucoup de voix. Il y a la voix de l'esprit, il y a la voix de votre âme, il y a la voix de votre chair. Et toutes ces choses-là crient dans votre subconscient. Ça crie en vous. Quand vous restez longtemps en prière, dans la présence de Dieu, vous amenez à faire en sorte que la voix du Saint-Esprit devienne supérieure. Donc, quand vous êtes sous l'onction, beaucoup d'idées ne sont pas en fait des idées émanant de la chair ni de l'âme, mais elles viennent du Saint-Esprit. Quelqu'un est-il avec moi? Quelqu'un est-il avec moi? Quelqu'un m'a dit, mais quand tu vois, est-ce que tu rentres dans une extase ou tu es dans une dimension? Non, non, non. Je me sens très naturel. Très comme tout le monde. Amen.
Mais je sais qu'en ce moment-là, les idées divines ont pris le dessus. Alléluia. Et on agit par la foi. Celui qui a compris, qui comprenne. Et marche dans le miraculeux. Amen. 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 Et tu, donc, ainsi en agissant de la sorte, beaucoup plus de maladies, par exemple à Zoya, j'estime qu'on a eu beaucoup plus de guérisons qu'on en a eu à tout le pleu. Et je rends grâce à Jésus pour cela. Et c'est le Christ. Tout vient de Christ et la façon dont vous captez. Et c'est valable pour la prière, dans tous les aspects de la prière. Il s'agit simplement de faire descendre les choses sur la terre. Amen. Donc, il y a plusieurs secteurs sur lesquels il faut jouer. Là où nous sommes arrivés en ce point de la prière, c'est, on a suivi le protocole de la prière, qui est un processus qui est enseigné par Jésus. Amen. Tout ce que j'expliquais tout à l'heure au ciel, voir ce où Jésus a mis la guérison des gens, tout ça, ce n'est que la première partie de la prière, mon Père qui est au ciel. C'est tout. Amen. Donc tout est dans le ciel. Nous avons été bénis de toute bénédiction céleste. Amen. De toutes les bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est qu'est-ce que tu vois dans le ciel. Amen. Maintenant, cette chose que tu vois dans le ciel, tu dois la faire transiter. Par exemple, je veux acheter une voiture, une télévision, un objet qui est en France ou qui est en Europe. Je vais sur le net, je vois l'objet. Donc j'ai vu en esprit. Je vais dans le magasin sur internet. Amen. C'est comme une vue de l'esprit. Je ne suis pas dans la boutique, mais je vois leurs objets. Et je fais la commande. On va suivre encore le même processus du transit. Ça va quitter, il va prendre un transitaire, ça va peut-être prendre le bateau. Ok? Ça va prendre le bateau et ça arrive au port. Ça arrive au port. Donc c'est le même processus de la prière. J'ai vu la commande. Je suis convaincu que mon Père a ça au ciel. Amen. J'ai besoin d'argent pour décanter une situation. Mon Père qui est dans le ciel, je vais m'assurer que cela est fait dans le ciel. Si la chose n'est pas faite dans le ciel, elle est toujours faite généralement. Mais quand la chose n'est pas faite, c'est là qu'intervient le type de prière qu'on appelle les supplications ou les intercessions. Amen. C'est une manière d'aller rattraper dans la prière certaines choses. Par exemple, quelqu'un qui a péché, qui doit être jugé. Qui doit être jugé au ciel, son jugement est déjà acté. C'est l'intercesseur qui peut aller et puis faire déacter le jugement. Comme il peut aller aussi et puis faire activer le jugement. Parce qu'il est déjà établi dans le ciel. Quelqu'un est-il avec moi? C'est ça, Ézéchiel. Je veux détruire ce pays, mais je cherche quelqu'un pour prier afin que ce pays ne soit pas détruit. Amen. Donc, une fois que vous avez vu la commande, vous dites que cela vienne. Donc, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Donc, qu'elle quitte le ciel, ta volonté qui est dans le ciel, qu'elle vienne maintenant sur la terre. Et là, quand ça arrive à la terre, ta commande donc a quitté le port en France, elle arrive au port à Abidjan. Amen. Ton miracle ou bien ta demande a été activée, on te l'a envoyé. Si tu vas sur le site, tu demandes, est-ce qu'on m'a envoyé ma voiture que j'ai commandée? On va te dire oui. Donc tu as été en quelque sorte exaucé. Mais tant que tu n'utilises pas l'objet ici, pour toi, c'est comme s'il était toujours en France, il était toujours à la source. Tant que tu ne l'utilises pas. Pour l'utiliser, il faut que tu ailles, tu respectes encore un procédé, un processus. Le process, c'est d'aller au port et de retrouver même là même où il est stocké. Comment on appelle le document qu'on te donne? La LTA, c'est ça? Voilà. Ou, bon, tourne la LTA. Le BL. Voilà. Au premier que tu m'as dit BL. Bon, il y a plusieurs en tout cas. Connaissement, BL, tout ce que vous voulez. Amen. Ce qui est sûr, il y a un document qui te dit exactement, parce qu'il y a beaucoup de colis qui sont là, où est ton colis, de quoi il s'agit exactement. Et puis maintenant, il y a le procédé de te livrer la chose. Amen. Donc, c'est pareil au niveau de la prière. Comme avec la source ici, vous avez l'eau qui quitte là-bas. Et chez vous-même, il y a un compteur juste avant que l'eau se manifeste chez vous. Amen. Dans le cadre de la prière, ce compteur, cet élément qui permet l'entrée dans votre vie, est géré, est conduit par vos émotions, par votre âme. C'est votre âme qui fait la réception de ce qui vient du monde spirituel. Parce que tout ce que vous avez demandé à Dieu est dans le monde invisible. Amen. Donc, il ne s'agit pas ici de quitter la France pour arriver en Côte d'Ivoire où on est forcément dans une ligne matérielle, mais il s'agit de faire décoller quelque chose du monde de l'invisible et de l'amener dans le monde matériel. Amen. Donc,
L'esprit qui est en vous est esprit. Il est du domaine de l'esprit. Donc c'est d'abord lui qui reçoit. Mais pour que la livraison arrive dans la matière, Dieu a mis entre les deux le port de transit. Et le port de transit, le port où, avant d'être manifesté, c'est l'âme. C'est tout au niveau de votre âme. Est-ce qu'on est ensemble? C'est pas compliqué. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus. Amen. Et l'âme, un élément principal dans l'âme, va jouer sur la manifestation de votre exaucement. Donc, dans la prière du Notre Père, Jésus nous enseigne tout ce process. Et il arrive à ce niveau, dans Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Apprends du quoi? Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et puis il arrive là, pardonne-nous nos offenses comme nous nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Pardonne-nous nos offenses comme nous nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Lorsqu'on parle de l'offense, on n'est pas en train de parler de blessure physique. Une offense ne blesse pas votre peau. Une offense, c'est un mot aussi qui vient du grec, qui parle aussi de blessure, mais de blessure intérieure. Donc, quelqu'un ou une circonstance qui vient blesser mon âme. Et Jésus dit ceci, quand vous priez, tenez compte des frustrations de l'âme. Ne sous-estimez pas cela. Mes amis, ça a un grand rôle à jouer dans l'activation de vos exaucements. Si Jésus dit, quand vous priez, voilà ce que vous devez prier, pourquoi il ne saute pas cet épisode? Pourquoi il dit, demande-moi ce que tu veux, donne-moi aujourd'hui mon pain quotidien? Pourquoi il ne s'arrête pas là? Et il inclut à l'intérieur la notion du traitement des offenses. Amen. Dimanche dernier, j'ai introduit ce point, j'aimerais le développer et l'achever aujourd'hui. Quelqu'un est-il avec moi? Amen. Christ nous dit que nous devons traiter avec les offenses. J'ai expliqué cela en disant, premièrement, parce que l'offense produit l'amertume. Hébreux 12, 15, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, qu'aucune racine produisant des rejetons ne produise donc de l'amertume. Quand on est offensé, l'offense maltraitée produit l'amertume. Et l'amertume, vous savez, il y a le mot âme là-dedans. L'amertume, c'est l'aigreur de l'âme. Lorsque votre âme devient frustrée, froissée, blessée, l'âme ne laisse plus passer les grâces. L'âme ne laisse plus passer les grâces. Et je vous ai dit ceci, chaque fois que Dieu va s'apprêter à faire un miracle dans votre vie, Satan qui est à l'extérieur du circuit de transit, lorsqu'il voit, il dit, oh, voilà son mariage en train d'arriver. Son mariage arrive. Juste avant, il va envoyer quelqu'un pour t'agresser, pour que tu sois offensé. Si tu es offensé, tu crées l'amertume et tu crées l'amertume et tu peux stationner au port. Alléluia. La douane n'est pas payée. En tout cas, les papiers qu'il faut, ce n'est pas payé. Et toutes ces choses-là sont bloquées. L'amertume prive de la grâce. Il dit, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Donc, c'est la grâce que Dieu a déjà envoyée. Donc, Dieu envoie des grâces, mais parce qu'on a un cœur qui est amer à cause des offenses, on peut s'en priver. Et il faut faire vraiment, vraiment attention. Jésus peut dire ceci en Matthieu chapitre 5. Lisons ensemble Matthieu le chapitre 5. Parlons encore de ce point. Il dit, si donc tu présentes ton offrande à Dieu, pardon, si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande, va devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Amen. Présenter une offrande, c'est une prière. Je viens adorer mon Dieu, une offrande de louange. Je viens célébrer mon Dieu. Amen. Il dit, quand tu t'apprêtes à prier, donc je vais dire simplement, quand tu t'apprêtes à prier, si tu te souviens qu'il y a un conflit, il y a une mésentente entre ton frère et toi, il dit, il n'a pas dit d'arrêter de prier. Il dit, laisse là ton offrande, ça veut dire, garde la position de la prière. Ne quitte pas cette atmosphère, mais laisse là ton offrande. Va d'abord te réconcilier avec ce personnage. Va d'abord te réconcilier et viens après finaliser l'acte que tu avais commencé. Autrement dit, une prière n'entre pas dans sa finalisation tant que les offenses n'ont pas été traitées. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Ah, il y a beaucoup de gens qui ont trop d'affaires au port. Prends garde à ce que ce ne soit vendu aux enchères. On dit, mais toi, vraiment, ta maison, ta voiture, tes quatre enfants, tout ça là, ils sont au port, ils sont stationnés là-bas. Et pendant ces temps,
Tu as demandé à Dieu des jumeaux, on t'a envoyé les jumeaux. Tout est bloqué là-bas. Tu dis, un jour, mon Dieu va se souvenir de moi. Un jour, ça ne peut pas arriver. Là, Dieu s'est déjà souvenu de toi. Il l'a déjà fait. C'est toi qui bloques le miracle maintenant. La balle n'est plus dans le camp de Dieu. Le fournisseur a déjà envoyé le colis. Ils ne vont pas venir dédouaner pour toi. Ça, c'est entre toi et puis ton pays. C'est entre toi et tes frères. Amen. Ton pays, c'est quoi? Le port, c'est quoi? C'est les gens qui t'ont frustré, les gens que toi-même tu as frustré. C'est une affaire locale. Ça ne dépend plus du ciel. C'est pourquoi il dit, quand tu pries, tu as un problème avec ton frère, laisse ton offrande parce que Dieu n'est plus dans cette histoire. Il a déjà envoyé le colis. S'il y a un blocage, c'est avec ton frère. Dieu n'a rien à voir là-dedans. Donc, tant que tu ne vas pas prendre le temps de traiter, c'est pourquoi il dit, les gens quand ils traitent leurs offenses, eux, Seigneur, mon frère là, qui reste, moi c'est avec toi, je vais traiter. Dieu dit, j'ai envoyé, tu veux que je double le colis? Il dit, non, moi, les hommes là, ils sont trop mauvais, tu sais, ils ne comprennent rien. Moi, c'est toi mon Dieu, je parle à toi. On dit, laisse là ta prière, va parler à ton frère. Dieu n'a plus rien à voir à ce niveau. Il a envoyé le colis. Il est au port. Donc, si tu as fait palabre avec le directeur du port, si tu as insulté les douaniers, que vous vous êtes disputé là-bas, le livreur ne peut pas régler ça pour toi. Amen. Amen. Si la douille de l'électricité chez toi est grillée, la CEU ne va pas venir réparer ça. Et lorsqu'ils viennent, ils s'assurent que l'électricité arrive dans ta maison. Une fois qu'ils ont fini, tout ce qui est à l'intérieur, ils disent, ça vous concerne, monsieur. Nous partons. Alors, quand tu te plains, depuis là, je ne comprends pas, j'attends mon miracle. Les anges viennent vérifier. Est-ce que tout va bien sur le transit? Oui, 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 oui. Est-ce que le Père a donné? Parce que la Bible est claire quand même. Qu'est-ce qu'il demande à Dieu? C'est une chose légitime. Il veut travailler. Il veut travailler. Oui. Travaille. Papa, tu as envoyé? Oui. On regarde Baudreau de livraison. Depuis 2003, on lui a envoyé le poste de directeur. Donc on descend. Est-ce qu'à un moment donné, ça a été détourné en cours de route? Tout est propre. Et on arrive vers chez toi. Les gars, ils te montrent. Ils disent, voilà, ton poste de directeur est arrivé à telle date. Mon ami, gère ça. Et on s'en va. La majorité des problèmes spirituels, Dieu demande à ce qu'on traite avec lui. Mais pour l'offense, il y a un traitement avec les personnes concernées. Dis à un voisin, est-ce que tu comprends cette affaire? Alléluia. Alléluia. Et vous savez, l'offense est très intéressante. Pourquoi on peut traiter avec les personnes concernées? Parce que généralement, en tout cas, le plus souvent, les personnes ou les systèmes qui nous ont offensés ne sont jamais loin de nous. L'offense est très souvent un coup porté par un proche. Plus une personne est éloignée, moins elle pourra t'offenser. Comme je dis, si tu rencontres souvent, tu vois, tu es dans ta voiture, le voisin, vous faites des queues de poisson. En tout cas, vous, quelqu'un a grillé le feu, vous êtes fâché, il baisse, bien sûr, toi qui as mal conduit, il descend la fenêtre et puis il t'insulte. Chauffard, où tu as eu ton permis, nul là. Et il remonte. Il vient de t'injurier, c'est une offense. Mais est-ce que tu vas garder cette rancune pendant 4 ans? Je me souviens, un jour au carrefour de la vie, je n'ai pas oublié son visage. 5 ans plus tard, je n'ai pas oublié. Mais tu ne le connais pas. Mais si c'est une personne qui t'était proche, qui disait ces choses, ça allait avoir du poids. Donc le poids, l'offense n'est pas dans les mots qu'on prononce contre nous. L'offense, c'est qui les dit. Amen. L'offense, c'est qui le dit. Donc c'est l'attachement ou la valeur qu'on donne à la personne qui porte l'offense. L'offense, ce n'est pas l'injure. Si un enfant vient puis il te dit, tonton, t'as même pas une belle tête, ça va te faire mal. Mais un adulte vieux qui vient dire, mais tu es nul toi, et puis ça fait mal. Parce que c'est la personne en fait qui donne de la valeur au mot et non le mot lui-même qui nous offense. Quelqu'un est-il avec moi? C'est pourquoi il dit, j'aime le texte, il dit, si ton frère, il n'a pas dit si un inconnu. Parce que très souvent ce sont des frères, ça veut dire des proches.
qui offense. Alors elle dit, non, je ne supporte plus la Côte d'Ivoire. Je dois quitter. Frère, tant que sur la terre, et sur la terre tu as besoin de frères, je vous ai dit ça dimanche dernier, tant que vous allez vivre, vous allez être offensé et vous allez offenser. Que tu sois la personne la plus parfaite, même Jésus-Christ, il offensait les gens. On dit, ah oui, mais il offensait. Les pharisiens étaient offensés par sa manière d'agir, la puissance. Voilà. Donc l'offense n'est pas quelque chose qui vient juger le tort ou la raison. L'offense, c'est que quelqu'un était blessé. On ne sait pas pourquoi il est blessé. Peu importe. Donc, tant que tu vis, même quand tu es le fait d'être une personne parfaite, tu vas offenser un homme. Mais tu veux dire quoi? Pas là. Amen. Tu veux dire quoi? Donc, ils sont blessés pour rien. Donc, le monde est comme ça. Amen. Tu vas offenser et tu seras offensé. Si tu n'apprends pas à traiter avec l'offense, il y a une dimension d'exaucement et de grâce dans laquelle tu ne pourras jamais entrer. Chaque fois qu'un grand miracle s'apprête à venir dans ta vie, Satan, qui connaît cette clé, va envoyer l'offense pour essayer de t'arrêter. Ton grand mariage, ta voiture, ta promotion en train d'arriver. Satan dit attention, il prend un proche, viens le blesser. Donc tu arrives au culte dans la joie. Oh mon Dieu, tu es bon. Et pendant que tu sais, quelqu'un apparaît et te lance une flèche. Mais pourquoi tu fais comme ça? Mais tu fais ça avec humilité. La personne vient te dire, tu es orgueilleux. Mais pourquoi tu me dis ça? Je voulais servir mon Dieu. Offensé. Ça blesse ton âme. Et à cause de ça, tu as arrêté. Je ne sers plus Dieu. Ouh, un ensemble de choses sont bloquées au port. Il faut que tu traites avec le problème. Dis à voisin, traite avec l'offrande. Traite avec l'offrande. Amen. Et l'offense surviendra dans votre vie à la veille des grands exaucements. L'offense. Et quand vous voyez des offenses qui se multiplient, souriez déjà. Souriez. Une offense est l'annonce de grands événements. Amen. Amen. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Alors je vous ai dit, les offenses existent. Un, pour le diable, Satan, le diable s'en sert pour faire un blocage à nos miracles. Mais Dieu aussi le laisse faire. Dieu s'en sert pour nous élever. Je vous ai dit la dernière fois, qu'il n'y a pas d'élévation, revenez un peu sur la notion de l'élévation, il n'y a pas d'élévation sans vent contraire. Amen. Donc mon histoire du parachute, je veux sauter avec un parapente, je fais mes coups, mon moniteur est là, il dit on va sauter, et nous sommes sur la montagne, nous nous apprêtons à sauter, et tout ce qu'il attendait c'était du vent contraire. Tant que le vent souffle à gauche, à droite, il dit on ne décolle pas. Quand le vent est venu face à nous, il dit on part. Et la leçon que j'ai tirée, c'est que ce qui te permet de monter en hauteur, ce n'est pas le vent qui te pousse dans le dos, c'est le vent qui s'oppose à toi. L'offense est un vent contraire à votre vie. Quand Dieu veut vous élever, quand Dieu veut vous faire aller en hauteur, et vous savez, la hauteur est une position extraordinaire, vous priez Dieu pour que Dieu vous mette directeur général pour avoir une grande entreprise qui bénit. Quand vous avez demandé, vous avez fait une prière d'élévation. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu, vraiment, ouvre-moi une nouvelle porte dans ce travail. Tu veux être élevé. Dieu, donne-moi plus de moyens. Tu veux être élevé. Ce genre de prière-là, Dieu même autorise l'offense à les accompagner. Parce que sans offense, sans vent contraire, il n'y a pas de décollage. Il n'y a pas d'élévation. Est-ce que vous me suivez? Seigneur, quand je vois le tour 931, mon cœur est touché. Je veux plus donner. Je veux plus. C'est-à-dire, les moyens dont tu disposes, tu estimes, est insuffisant. Tu veux aller en hauteur. Or, l'avion pour décoller, le vent qui le pousse par derrière le fait avancer plus vite. C'est ça la différence entre les voitures et les avions. Et plus il avance, plus il y a du vent contraire. Le vent contraire est fort. Si vous avez une voiture qui va vite, si vous mettez votre bras dehors, vous allez sentir la force de l'opposition. Votre bras va être projeté. Le vent contraire, c'est le signe de l'offense. Ce qui vient contre toi, ce qui vient contre le cours de tes idées, contre le cours, ce que tu trouvais logique.
la façon dont c'est nécessaire de faire. Et puis on vient, on s'agresse de face. La voiture ne prend jamais de la hauteur. Parce que la voiture fait comme si le vent contraire n'existe pas. Suivez-moi bien, vous comprenez? C'est quoi la voiture fait comme si ça n'existe pas? Ça veut dire, elle augmente et puis elle perce le vent. Ceux qui vont élever comme l'avion, l'avion aussi va vite. Il atteint une grande vitesse. Mais qu'est-ce qui va faire que lui va s'envoler? C'est qu'il ne traverse pas l'offense. La majorité des chrétiens traversent les offenses. C'est pourquoi ils ne sont pas élevés. C'est-à-dire, traverser l'offense, c'est faire comme si on ne t'a rien dit. Dieu n'a jamais dit de faire comme si on ne t'a rien dit. Ça veut dire qu'il se concentre jusqu'à ce que ça passe. On dit, on t'insulte. Je laisse tomber. Ça les paralyse un moment. Ah, ce qu'il a dit, ça fait mal. Mais ça va passer. Jésus a dit, écoute, c'est bizarre. Jésus n'a jamais dit de laisser tomber. Il n'a pas dit ça. Il dit, quand on t'a insulté, il faut bénir. C'est différent de ne rien dire. Toi, tu dis rien. Amen. Toi, tu dis rien. Ceux qui disent rien dans l'offense, ce sont des gens qui traversent l'offense. Ça veut dire qu'ils prennent le coup et puis ils se concentrent. C'est qu'il y a un sujet, je ne dois pas rétrograder. Que Dieu m'aide, ça va aller. Et puis quand leur cœur s'apaise, et puis ils continuent. Ah, tu ne décolles pas. Tu ne peux pas aller en hauteur. Tu as une voiture qui va vite, mais tu vas t'épuiser. Et sur la terre ferme, il y a des embouteillages. Ça veut dire que tu décides de quitter ici pour aller dans un quartier. Tu ne peux même pas prévoir. Tant que tu es au niveau où tu es, il y a trop de choses que tu ne pourras pas vivre. D'abord dans le temps, tu dis, bon, j'arrive dans 15 minutes, mais c'est sans compter sur les routes d'Abidjan. Dans 3 ans, je sais que dans l'année prochaine, j'ai mon examen. Mais tant que tu es au niveau terrestre, l'année prochaine, c'est le temps normal. Il faut 10 minutes pour quitter ton point pour aller à ce point. Il faut 15 minutes, il faut 1 heure. Mais tant que tu es au niveau terrestre, il y a d'autres paramètres que tu ne contrôles plus. Un accident sur la route, un incident sur la route peut faire que les 1 heure ou les 30 minutes de trajet se transforment en 2 heures de trajet. La seule façon de ne plus être dans les embouteillages et les inconvénients du trajet, c'est d'aller en hauteur. Au ciel, il n'y a pas d'embouteillage, frère. Tu as déjà vu les avions arrêtés en l'air là-bas? Toi, au feu, un avion qui freine, feu rouge, l'autre avion passe. Puis après, il continue. Non, frère. Il n'y a pas d'embouteillage au ciel. Quelqu'un est là avec moi? C'est pourquoi Dieu veut te faire monter. Mais pour que l'avion quitte le domaine de la voiture, à la différence de la voiture qui transperce, l'avion ouvre ses grandes ailes pour les accueillir de front. Et quand l'offense arrive, le vent contraire frappe, ça lui permet de quitter la terre, le terrestre, les limitations. La différence entre des chrétiens qui fonctionnent à une dimension élevée, c'est-à-dire, dimension élevée, c'est ressources élevées. Dimension élevée, c'est visibilité élevée. Quelqu'un qui est élevé dans une entreprise, quand vous êtes en hauteur, vous anticipez les choses. Si tu vas voir la différence entre un prophète qui voit loin et un prophète qui voit court, c'est qu'ils ne sont pas au même niveau. Celui qui est élevé voit les choses arriver. Sur le plan de l'entrepreneuriat, ça vous donne une vue plus grande. Et plus vous irez haut, plus vous allez mieux percevoir tout ce qui se passe autour de vous. Quelqu'un est-il avec moi? Donc, quand Dieu veut te donner plus grand, il veut te créer moins de difficultés, moins d'opposition, il doit te faire monter. Et te faire monter, ça veut dire te faire traiter les offenses. Sans offense, l'avion ne décolle pas. Sans offense, tu vas être un chrétien voiture, tu avances. Il y en a qui peuvent préférer ça peut-être. Ceux qui encaissent, qui se concentrent, quand ça va finir,
Je vais avancer. Et au fur et à mesure, ça finit de moins en moins vite. Ton cœur cumule. Ton cœur cumule. À un moment donné, tu commences à avoir une vie très pieuse. Voilà à quoi tu ressembles. Si tu es le verre, voilà l'offense. L'offense amène l'amertume. Amen. L'eau, c'est la parole de Dieu. La parole entre en toi. Quand la parole vient, elle secoue l'offense. Et l'eau qui représente la parole en toi est trouble. Mais si on patiente un peu, si on patiente un peu, le sable va totalement retomber au fond. Et autour, il y aura une eau très limpide qui va apparaître. Ça ne veut pas dire que les saletés sont parties. Ça veut dire que ça a été tassé dans le fond. Il y a beaucoup de choses que vous croyez que vous avez laissées tomber. Vous ne les avez jamais laissées tomber. Ça disparaît de votre champ visuel, c'est tout. Sinon, ça atterrit. Tu dis, je laisse tomber. Je laisse tomber. Toi-même, tu te mens. Parce que quand tu vas voir l'eau limpide, tu vas dire, regarde à moi, l'eau est limpide. Ça veut dire, l'eau limpide, c'est la parole vraie. C'est l'honnêteté. C'est la vie de Dieu. C'est l'amour de Dieu. Tu regardes dans ton cœur, il y a de l'amour. Tu regardes dans ton cœur, tu n'en veux plus à personne. La réalité, c'est que ce n'est pas ce qui se passe. En laissant tomber, tu n'as fait que laisser tomber l'offense dans le fond de ton cœur. Ça s'est tapis quelque part. Jusqu'à la prochaine offense. Un autre jour, les personnes que tu croyais avoir pardonnées, que tu croyais avoir oubliées, donc on enlève les saletés visibles. On dit voilà, ça c'est pas bon, voilà, je suis saint maintenant. Pasteur, on dit mais est-ce que tu en veux à ton cousin Gasparien? Non, Gasparien, il n'y a rien. Quand la personne dit qu'elle n'a rien, elle est vraie, elle est honnête. Elle est honnête parce qu'elle ne ressent plus rien dans son cœur contre l'individu. Jusqu'à la prochaine offense. C'est quoi l'offense? L'offense vient vous secouer. Donc tu crois que tu as pardonné. Tu as laissé tomber les offenses que ton mari t'a fait subir. Jusqu'au prochain pic. Toi là, voilà, et il te lance une injure. Ça remue le fond. Secoué, secoué, secoué. Et ce qui sort de ta bouche, je me souviens, c'est à cause de ça que tu m'avais fait ça il y a 7, il y a 20 ans. C'est-à-dire les blessures d'il y a 20 ans. Votre couple était devenu calme et paisible. Parce que tu es un chrétien, j'en vois, tu transperces, mais tu ne traites pas. Tu ne te sers pas de l'offense. Tu l'enfouis dans ton cœur et tu avances en espérant que demain soit meilleur. Mais c'est vrai que demain semblera meilleur parce que l'offense va se tasser dans le fond. Mais tu crois que tu en as été délivré, tu n'en as pas été délivré. C'est juste l'offense au repos. Attends la prochaine offense, bien blessante, bien secouée. Parce que si on remet un tout petit peu, tu ne vas pas sentir, ça va te remonter. Et tu vas entendre les propos qui sont de tes lèvres. Et tu sauras que le fond n'avait pas été transformé. Et que l'offense n'avait fait que se tapir au fond de toi. Tu dois. C'est pourquoi la Bible appelle l'offense aussi. Je vous ai dit que le fond est comme une racine. Il dit, soyez donc la racine de l'amertume. La racine. L'eau trouble, c'est l'amertume. La racine, c'est le fond qui n'est pas encore, qui n'a pas encore créé l'amertume. Mais n'empêche que c'est une racine. Ce que Dieu demande de traiter, ce n'est pas seulement l'amertume, c'est l'offense même. Quelqu'un est-il avec moi? L'amertume, c'est quand le cœur est arrivé au point d'être amer. L'offense, le cœur n'est pas forcément amer, mais le cœur a été blessé. L'élévation est fonction du traitement que vous avez de des offenses. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un donne un bon amen. Parce que Dieu te guérit aujourd'hui. Amen. Amen. Dieu t'élève aujourd'hui. Dieu t'élève aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Dans le livre de Pierre, parlant des offenses des proches, 1 Pierre 3, je crois. Voilà, verset 7. Voilà, on a l'écran. 1 Pierre 3, verset 7. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. On continue.
qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Amen. Vous savez, les personnes qui offensent le plus, les personnes qui s'offensent le plus, je vous ai dit, l'offense est fonction de la proximité. Voilà, plus une personne est proche, et ton vrai prochain, en tout cas quand tu es marié, ton premier prochain, c'est ton conjoint. C'est ton conjoint même. C'est le premier prochain. Et la Bible est claire, l'atmosphère qui existe entre ton conjoint et toi est capable de créer un obstacle à la prière. Ou si on prend le contraire, c'est-à-dire comment Dieu se sert de l'offense, c'est capable de te propulser aussi à un niveau supérieur de grâce, de faveur. C'est capable de te mettre dans une altitude élevée. Et je t'assure, il n'y a aucune offense qui soit arrivée contre toi que tu ne peux pas vaincre. Toute offense qui arrive vers toi, tout péché qui vient contre toi, je t'assure, Dieu a mis en toi la capacité de supporter. Tu peux le faire. Amen. Mais moins, plus que supporter. Amen. C'est pourquoi la Bible dit ceci, parlant de l'amour. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le premier prochain, c'est la personne la plus proche, c'est ton conjoint. Deuxième prochain, tes enfants. Troisième, après même ton voisin, etc. La Bible dit, pour le prochain, aime-le. Aime-le. Amen. Aime ton prochain comme toi-même. Dieu, voisin, aime ton prochain comme toi-même. Dis, j'aime mon prochain. Amen, amen, amen. Amen. Et voilà ce que le Seigneur nous donne dans sa parole rapidement. Comment on traite avec l'offense? Il dit, on avait lu tout à l'heure dans le texte de Matthieu 5, quand tu apportes ton offrande, si tu te souviens, chaque fois que vous rentrez en prière, faites une introspection interne pour savoir est-ce que personne ni quelque chose. Parce que l'offense n'est pas toujours apportée par des humains en tant que tel. L'offense peut être créée par des circonstances. Peut-être que tu es offensé de ce que la famille dans laquelle tu es né, c'est une offense de ton âme, c'est une blessure de ton âme. Certains faits de ton histoire, toutes ces choses-là sont des choses que tu dois pardonner. Amen. Donc, la première des choses à faire lorsque je prie, lorsque je rentre en prière, j'ai prié pour mon sujet, j'ai demandé tout à Dieu. Donne aujourd'hui mon pain quotidien. Amen. J'arrive à la partie de l'offense. Il faut créer ce chapitre dans vos temps de prière. Amen. Et je me souviens. Alors, pour pouvoir s'en souvenir, il faut demander à Dieu, Seigneur, est-ce que dans la journée d'hier, vraiment, je n'ai pas été blessé? Parce qu'on peut devenir tellement un professionnel de laisser tomber la saleté au fond, qu'à la fin, ça devient un mode de fonctionnement. On te blesse au moins. Mais le cumul, ça va devenir tellement... Ça va tellement monter que l'eau même va disparaître à un moment donné. Amen. Donc, il faut veiller sur le cœur. La Bible dit, donc, chaque fois que tu montes devant l'autel du Seigneur, réveille ton souvenir. Si tu te souviens que... Amen. Donc, ça doit être une culture de prière. Alléluia. Alléluia. Pendant que tu prends ton offrande, c'est la première des choses à faire. La deuxième chose, le texte dit, pardonne nos offenses. Donc, toi-même, pardonne si dans ton souvenir tu te souviens que tu as blessé quelqu'un, tu demandes au Seigneur pardon. Tu as péché contre Dieu, Seigneur pardonne mes offenses. La repentance, amen. Pardonne nos offenses. Comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Alléluia. Le texte dit comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est-à-dire, le pardon que j'obtiens de Dieu équivaut au pardon que moi-même j'octroie aux autres. Si tu pardonnes à quelqu'un 4 fois, la personne t'offense une fois, tu dis à cause de Jésus, ça passe une fois. 2 fois, à cause de Jésus, ça passe. 3e fois, tu dis mais je crois que tu fais exprès. Parce que ça là, je te l'avais déjà dit. Est-ce que je ne t'ai pas dit que je n'aime pas qu'on m'appelle comme ça? Est-ce que je ne t'ai pas dit que quand tu arrives, il ne faut pas me saluer avec un doigt, il faut me saluer avec la main? Non, tu sais, chacun a ses principes. Je t'ai déjà mis en garde. Une fois, le gars fait la même erreur. 2 fois. La 3e fois. Trop. C'est trop. Non, ça. La prochaine fois, je dis, maintenant tu arrives, je ne te salue plus. Je n'irai plus avec toi. Est-ce que tu as raison? Mais quand même, la personne, quand même, 3 fois, c'est exagéré. Donc, si tu as établi cette règle, Dieu est d'accord avec toi. Donc, lui aussi, il te dit, dorénavant, toi aussi, tu as droit à 3 péchés. Premier péché, je n'aime pas ça, ma fille.
Hey, papa, c'est pas bon. Tu as dit de ne pas mentir. J'ai menti aujourd'hui. Je te demande pardon. Deuxième fois, il dit, on n'a pas dit que le mensonge n'est pas bien. Hey, papa, pardonne-moi. Troisième mensonge, Dieu dit, trop, c'est trop. Non, trop, c'est trop. Non, 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 non. Ça, c'est fini. Je ne te parle plus. Si au cadre MPJ, je te dis à la personne, la prochaine fois que tu fais ça, je vais te gifler. Tu vas comprendre que quand tu as ton quatrième péché, je dis la prochaine fois que tu fais ça, je vais te gifler. Donc, il y a des frappes de Dieu que vous recevez. Vous croyez que c'est des épreuves. Ce n'est pas une épreuve. Tu as atteint le quota d'être frappé. C'est-à-dire, toi. Amen. Si au quatrième péché. Alléluia. Si au quatrième péché, tu ne parles plus avec la personne. Toi aussi, à ton quatrième péché, Dieu ne te parle plus. Tu dis, pasteur, je vis, mon ciel est fermé. Ton ciel n'est pas fermé. C'est toi-même qui l'as fermé. Je prie. Est-ce que c'est. Pasteur, quel genre de désert est-ce? Ce n'est pas un désert. C'est quelque chose que tu peux. Il suffit simplement que tu laisses tomber l'offense et c'est fini. Amen. 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 Donc, comme toi, tu sais que tu peux pécher plus de 7 fois ou 60 fois, frère, laisse tomber aussi les erreurs des autres. Il faut pardonner. Parce que toi-même, tu auras besoin de la grâce de Dieu. Tôt ou tard. Donc, ce que tu ne veux pas. Quand Dieu t'applique à toi, pourquoi tu l'appliques aux autres? Si on ne peut pas te faire mal 4 fois, pourquoi toi tu as fait plus de 4 fois mal à Dieu? Donc laisse tomber et puis avance. Amen. Quelqu'un est-il avec moi? Donc pardonne-nous comme nous nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. La Bible dit, l'amour pardonne tout. Quelqu'un est-il avec moi? Amen. Amen. Comment on accueille l'offrande, l'offense, pardon, il faut bénir les gens. La Bible dit, bénissez. Là, c'est là qu'on ouvre les ailes. Amen. L'ouverture des ailes, c'est quand tu commences à bénir. Traverser l'offense, c'est... J'encaisse, je pardonne. Mais l'ouverture des ailes, c'est quand tu commences à bénir. Mais moi, je vous dis, aimez... Matthieu 5, 44. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. L'ouverture qui fait monter, c'est que pendant que tu entends qu'il a dit ça de toi, tu le bénis. Ton cœur va te faire mal. Mais montre à Dieu que tu es plus que émotion. Amen. Alléluia. Il y a certaines fois où vous ne pouvez pas rencontrer la personne pour des raisons de distance. Ou bien la personne même qui vous a offensé, même, elle ne sait même pas qu'elle est offensée. Et puis, bon, franchement, vous ne vous rencontrez pas. Amen. Quand tu as l'occasion de parler à la personne, vous pouvez en discuter. Mais quand je n'ai pas l'occasion, ou si je parle, la personne ne me comprend pas. Peu importe. Moi, je dois libérer mon cœur. Je la bénis. Je la bénis. Quand tu pries. Vous savez, ça arrive à tout le monde. Dernièrement, dans la croisade, certaines autorités se sont un peu opposées à nous. Ah, ils veulent venir. Bon, d'eux-mêmes, on fait tout gratuit. Mais eux disent, bon, c'est qui ces gars-là, ils ont de l'argent. On va les taxer. Pourtant, on fait ça pour la propre population, leur population. Et ça m'avait offensé. Mais je voulais me saisir de l'onction. Je dis, ces gens, ils ne savent pas que c'est la gloire de Dieu. Bien, Dieu vient pour leur gloire. Quand ma bouche allait glisser, l'esprit m'a attrapé. Il dit, hey, petit. C'est que tu expliques aux gens. Tu dis quoi? Tu veux faire quoi? Tu es fâché. Et puis, il y a parmi les autorités, il y a certains dont je connais le ministre. Je dis, bon. Quand pasteur Joël est venu me faire le point, je lui ai dit, ok. Mais mon ok, j'allais appeler le ministre. Dit, ton élément qui est sur le terrain s'oppose. Je dis, tu ne dois même pas appeler. Et si tu appelles, c'est pour dire du bien de la personne. Bénissez, dites du bien de ceux qui vous maudissent. Alors, quand ton patron t'offense, quand il te met des peaux de banane, quand tu rentres en prière, ça brûle ton cœur. Tu as envie de dire que l'onction le frappe, qu'il perde son poste. J'ai dit non. Mon frère, mets-toi en colère, pleure devant Jésus, mais bénis seulement. Je le bénis. C'est le contraire de ta bouche. Non, frère, ça m'est arrivé. Dans l'histoire, la guerre en Côte d'Ivoire, il y a des gens, c'était trop compliqué. Quand j'ai réglé, tu dis bénis-le. Je lui ai dit, Seigneur, souviens-toi de ce qu'il a fait. Souviens-toi. Je lui ai dit, est-ce que c'est ce que tu dis de faire?
Il a été trop méchant, papa. Il faut qu'il paye un peu, qu'il comprenne un peu. J'ai dit béni. J'ai compris que bénir les gens, c'était pas trop pour sauver les autres. C'était pour vous sauver vous-même. C'est pas trop parce qu'on a envie d'élever la personne. C'est libérer votre âme et vous conduire. Donc bénis ton ennemi. C'est pas parce que ton ennemi va avoir du bonheur. C'est pour que toi-même tu rentres dans le bonheur. Quand tu bénis ton ennemi, c'est pas que tu le sauves, tu te sauves. Quand tu prophétises des grâces sur sa vie, il t'a critiqué, toi tu attends son anniversaire pour lui faire un cadeau. Avec le sourire, s'il te plaît. Sans hypocrisie. Joyeux anniversaire. Amen. Et que le Seigneur t'élève, que sa grâce soit avec toi. Amen. Quand c'est difficile, pleure avec Jésus. Dis, papa, c'est difficile. C'est difficile. Un peu comme le pasteur Hortense l'enseignait, c'est difficile. Et puis tu dis, aide-moi. Mais je veux obéir à ta parole. C'est difficile. Mais je veux faire ta volonté. C'est pas facile. Mais je veux faire ta volonté. Et à un moment donné, tu vas sentir Dieu te donner la force. Et tu vas le faire. Et tu connaîtras l'élévation. Que sa faveur soit avec toi. Que sa grâce surabonde dans ta vie. Alléluia. Amen. On va se tenir debout. On va mettre les mains sur le cœur. En tout cas, pour tous ceux qui veulent traiter positivement avec l'offense. Non pas seulement traverser l'offense. Mais être capable d'être une bénédiction pour les gens qui nous combattent. De prononcer des paroles de grâce. C'est facile à dire peut-être dans un message. Mais ce n'est pas facile à expérimenter lorsque vous le vivez en live. C'est pourquoi il faut la grâce de Dieu. Il faut être aidé par Dieu. Amen. On peut le prêcher facilement, c'est vrai. Mais lorsque vous le vivez. Et je comprends maintenant pourquoi Jésus-Christ a béni Judas. Amen. Jésus n'a jamais fait ça avec les... On n'a jamais vu Jésus attraper Pierre pour lui faire une bise. Mon ami. On n'a pas vu Jésus attraper Jean pour dire à Jean. On a vu Jean se coucher sur sa poitrine. Mais quand le proche de Jésus, Judas, son trésorier principal, dans le livre des psaumes, David décrit cette histoire en disant, celui qui m'a trahi, c'est mon ami. Celui avec qui je mangeais. Le texte de David nous montre que David, Jésus, avait une intimité particulière avec Judas. Et c'est lui justement, je me suis posé la question, mais les pharisiens là, les sadducéens, ils auraient pu arrêter Jésus autrement. Jésus prêchait en public. Pourquoi ont-ils eu besoin de Judas? J'ai compris qu'en fait, Satan voulait offenser Jésus. Il voulait lui faire mal. Il voulait blesser son âme. Sans quoi, s'il voulait simplement l'arrêter physiquement. Parce qu'ils n'ont pas eu besoin de Judas dans le fond. Ils ont cherché. Judas leur a juste montré l'endroit où il était. Mais le monsieur qui prêche en public, vous n'avez qu'à attendre qu'il est en public et puis vous l'arrêtez. Il était souvent dans des maisons. Mais pourquoi on a pris le frère, le proche, le fils spirituel, le trésorier de Jésus? C'était pour faire mal au cœur. C'est pourquoi quand Jésus le voit, c'est pas facile. Mais Jésus regarde Judas et il va vers lui. Et il lui fait la bise. Et puis il lui dit, mon ami, Jésus a béni celui qui le trahissait. Parce qu'il allait être élevé. Parce qu'il allait prendre le vent contraire et monter vers des hauteurs. Que cela soit ton partage pendant que tu as la main sur ton cœur. Que Dieu guérisse ton âme de toute offense, de toute frustration. Que sa faveur soit avec toi. Que sa grâce surabonde dans ta vie. Au nom de Jésus. Et tout le monde dit, amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Nous pouvons...